Bonjour à tous et bienvenue. Le thème d'aujourd'hui est l'eau froide. Quels sont les bienfaits pour les cheveux? En plus d'assurer la fermeté de la peau et une bonne circulation du sang, il semblerait que l'eau froide possède d'autres bienfaits beauté. Découvrez-en plus sur sa capacité à prendre soin de la chevelure. L'eau froide donne de la brillance à la crinière. Un shampoing à l'eau froide est efficace pour apporter de la résistance et donner de la brillance au tif. Il est également excellent pour remédier à la fibre capillaire ramollie qui provoque des frisottis. De plus, il aide à refermer les écailles du cheveu, les rendant plus robustes. Ce liquide est aussi idéal pour prendre soin des cheveux car il les rend beaucoup plus durs et épais. Un excellent moyen de purifier la chevelure. Afin de remédier à la chevelure grasse, l'eau froide est recommandée. Ceci est dû au fait que l'un des bienfaits de ce liquide est sa capacité de prévenir les glandes sébacées et l'irritation qui provoquent plus de sébum que nécessaire. Ainsi, elle est excellente pour casser ce cercle vicieux. De plus, elle est excellente pour purifier et assainir la toison. Elle permet de se débarrasser des impuretés des tifs, comme la pollution, entre autres, en activant la microcirculation sanguine du cuir chevelu. L'eau froide permet d'éliminer les résidus de shampoing ou de masque capillaire. Ainsi, elle rend la crinière plus propre. L'eau froide facilite la pousse du cheveu. Comme mentionné plus haut, celle-ci active la microcirculation sanguine. Ce mécanisme biologique contribue à la stimulation de la pousse des poils de tête. Elle est aussi efficace contre la casse de cheveux causée par le changement de saison. Pour un meilleur résultat, des masques nourrissants doivent aussi être utilisés. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao, ciao!